Cette année, j'ai eu l'occasion de faire le plus beau voyage de ma vie, partir au Vietnam. Durant 2 semaines, j'ai arpenté ce pays en quête d'apprentissage des coutumes et des techniques de pêche locales. Lors de ce voyage, j'ai rencontré une famille qui m'a appris à pêcher un des poissons les plus consommés au monde et le plus présent au Vietnam, le tilapia. C'est un petit poisson très apprécié pour la consommation de sa chair par les pêcheurs locaux et qui vit dans les mares d'eau stagnantes des zones tropicales. Je vous laisse découvrir maintenant ma plus belle session à la traque de ce poisson. J'arrive sur mon spot et il y a des petits chats. Faut pas que je leur fasse peur. Bon. Comment ça se présente? Là, je suis vraiment sur l'étang qui est à côté de l'hôtel. Apparemment, il y a du snakehead. Pour l'instant, j'ai mis une toute petite mouche en mode je vais essayer de choper des tilapia. Oh, poisson! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un tilapia! Hop, les. Premier poisson de la session, ça va pas tarder. Un joli tilapia piqué juste au bord à la mouche que j'ai mis sur un fil de 25 centièmes. Hop là, on va aller relâcher ce tilapia. Bon bah il m'a sauté des mains, mais il est reparti, c'est le principal. Donc voilà, je pense que ça confirme mon hypothèse. Les bordures en sont blindées. Yes. Mẹ ơi, mồi này sao thấy mồi rồi còn bay lên lên cục mồi, tụi mình nhắm chân rồi đi luôn. Mày sao đây? Mày vứt mồi đấy, lấy mồi đây mà làm. Hả? Yeah. Oh, tiens bien lui. Fichon. Touk. J'ai envie de le relâcher celui-là, je vais faire semblant de le faire tomber à l'eau. Oui. Très très marrant comme pêche. Oh non, ok. Yeah. Et de neuf. Wouhou. Yeah. Dubai in France. Yes. Where from? Paris. Paris. Yes. Paris.
Paris. Français. Yeah. Paris, Grand Route. Yes. Encore un magnifique tilapia. It's beautiful. Bon bah c'était une session de pêche assez intéressante avec pas mal de tilapia et c'était vraiment une très belle expérience de pêcher avec la famille vietnamienne. Et là du coup je vais prendre le train pour partir vers Hanoï. Voilà.